C'est du monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci l'épisode 1 de Devenez une Brutasse, une série que j'avais voulu lancer il y a un an sur Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel et que je n'ai jamais lancé. L'objectif de cette série que je débute maintenant, enfin après un an d'attente, c'est tout simplement de vous donner mes techniques, mes astuces pour pouvoir passer du niveau 1 au niveau 72 OP8 le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc au début du jeu, vous allez avoir cœur de primate qui va spawner et il va donc falloir le farmer. Je vais donc vous expliquer comment vous allez faire. Donc vous allez le tuer pour la première fois, vous allez tuer ses sbires, ramasser l'œil et ouvrir la porte d'Hyperion qui se trouve juste en haut en suivant la quête principale. Une fois que vous vous retrouvez ici à Southern Shelf, vous vous retournez à Windshare West et vous faites tout simplement acquitter, sauvegarder. Une fois que vous aurez fait acquitter, sauvegarder, en revenant dans la partie, vous respawnerez au niveau de la porte Hyperion. Vous allez donc pouvoir sortir, tuer cœur de primate, puis faire quitter, sauvegarder, puis revenir, le tuer, etc. Ça va vous permettre de dropper de l'argent, de l'expérience et également donc que ce soit des pistolets Jacobs, mais également il y a une probabilité de dropper le Hornet qui est un pistolet DAL légendaire, corrosif, qui n'est pas nécessaire mais qui est quand même vraiment très pratique. Je vous recommande de le farmer pour l'XP mais également et surtout pour pouvoir dropper ma version du pistolet qui est donc la version avec le préfixe Hornery qui permet tout simplement d'avoir un pistolet qui fait vraiment des dégâts très élevés. Il fait quasiment autant de dégâts que le sniper de base. Donc je vous recommande de le farmer jusqu'à atteindre le niveau 4 puisque après bah, il va tout simplement vous dropper quasiment plus d'XP. Donc vous pouvez constater 31 de dégâts, c'est les dégâts maximum que j'ai jamais eu avec le pistolet lootable par ce mini-boss. Donc ce pistolet est tellement puissant que vous allez tout simplement en continuant la quête principale pouvoir one-shotter tous les ennemis que ce soit les racks, les bandits, etc. Donc une fois que vous avez vidé la quête, vous pouvez prendre la quête. Une fois pardon que vous aurez vidé la ville et donc continué la quête principale, vous allez pouvoir prendre la quête « Cette ville est trop petite » que là je viens de rendre, qui va donc vous permettre de dropper un fusil d'assaut vert, mais également de pouvoir débloquer deux quêtes principales. La quête « Une histoire de bouclier » où il faut tout simplement aller acheter un bouclier après avoir remplacé un fusible. D'ailleurs, en haut de l'endroit où vous devez tout simplement acheter votre bouclier, il y a un petit signe de l'arche avec un coffre que j'ai déjà ouvert, mais un coffre qui est fermé et qui est très pratique pour pouvoir avoir des armes. À Southern Shelf, en tuant les ennemis juste à côté de la ville, vous trouverez également une quête secondaire que je ne fais pas, mais qui est quand même très pratique. Et vous aurez également la quête Le bruit et la fourrure qu'il fallait récupérer après avoir fait la quête Cette ville est trop petite, qu'il faut absolument rendre à Sir Hammerlock et pas à Claptrap, pour la simple raison qu'en le rendant à Sir Hammerlock, vous allez pouvoir looter un sniper vert. J'ai eu la chance de dropper donc un sniper avec le préfixe Tum Tum. Ce sniper sera quoi qu'il arrive de la marque Jacobs. Du coup, les snipers verts de la marque Jacobs sont toujours semi-automatiques. Du coup, c'est vraiment très pratique d'utiliser ce fusil de sniper. Et si vous arrivez à le dropper avec le préfixe Tum Tum, qui est le préfixe qui augmente les dégâts en critique, c'est le plus pratique pour pouvoir farmer par la suite Boom et Vroom. Je vous expliquerai tout de suite après comment faire. Donc pour la quête Symbiose qu'on récupère après avoir fait les deux autres quêtes secondaires, la quête Une histoire de bouclier et également la quête Le bruit et la fourrure, vous pourrez encore une fois, comme je vous ai dit, débloquer cette quête-ci. Donc normalement il faut aller à gauche pour tout simplement aller tuer un mini-boss. Mais je vous recommande d'aller par ici, par ce chemin qui vous permet de tuer beaucoup de Garrogos, d'augmenter énormément votre XP. Et à la fin vous aurez un coffre. Donc là je suis passé niveau 6, donc je choisissais un petit peu l'arbre de compétences que je voulais utiliser. Donc je me suis dit que j'allais utiliser l'arbre de compétences Ami pour la vie, qui est avec Gage le meilleur arbre de compétences pour débuter, notamment pour utiliser un petit... Une petite astuce qui vous permettra d'XP énormément. Il y a ici un spawn de rack et d'ailleurs il y a énormément de racks qui spawn. Et je vous recommande de tous les tuer parce que chaque rack vous rapporte 50 d'XP. Ça peut paraître peu, mais au début du jeu, 50 d'XP ça représente quand même pas mal d'expérience entre guillemets. Ça vous permet, en tuant tous les racks, vous faites facilement 600 d'XP à peu près. Du coup c'est vraiment quelque chose de non négligeable, et après avoir tué tous les ennemis, après avoir un petit peu galéré, vous allez trouver deux brutaux
juste ici. Et ces deux brutaux, il va tout simplement falloir les tuer pour pouvoir débloquer un coffre qui va donc vous permettre d'avoir des armes. Petite astuce que là, je vais vous montrer. Lorsque votre arme est vide et au début du jeu, ben, vous videz vos chargeurs très rapidement. Et en plus, vous avez des temps de recharge assez compliqués vu que c'est des armes généralement blanches, très mauvaises. Quand vous videz votre chargeur, je vous recommande de jeter l'arme et de la ramasser. Ce qui vous permet donc d'avoir l'arme chargeur plein à 100% directement, ce qui est très pratique. Donc moi je l'ai fait à partir de l'inventaire, mais en utilisant la touche 10, le raccourci clavier, vous pouvez ramasser vos armes et donc recharger entre guillemets très rapidement en jetant vos armes vides et en les ramassant immédiatement. Une fois que vous aurez fait cette petite contournante à droite, vous pourrez retourner à la quête Symbiose. Où votre objectif, ça va être de tuer Ganro Nabo, qui est très riche en XP, il rapporte quand même beaucoup d'XP, et je vous recommande de le farmer si vous voulez dropper le Car Blaster, qui est un fusil d'assaut légendaire Torque, donc uniquement dégâts explosifs, mais en début de jeu, c'est vraiment une tuerie. Le seul mésavantage, c'est que le chemin est vraiment très long pour pouvoir farmer ce boss, du coup, ça c'est assez chiant. Mais il rapporte vraiment énormément d'XP puisque Ganro Nabo rapporte près de 1000 d'XP et le petit brutal ici en rapporte 700. Du coup c'est vraiment très pratique pour farmer. Petite astuce, après avoir tué Ganro Nabo, tuez tous les ennemis présents encore vivants pour pouvoir tout simplement au fond faire spawner deux brutaux qui vont donc vous rapporter beaucoup d'XP. Et également au fond de cette planque, il y a un petit coffre juste ici qui dispose d'une quantité d'armes vraiment très importante et qui peuvent être vraiment de bonne qualité. Au début du jeu, le type d'arme que je vous recommande, c'est les snipers et les fusils à pompe Torg. Pourquoi ? Parce que même si les fusils à pompe Torg ont des temps de recharge assez longs, ils sont très précis et donc font beaucoup de dégâts également vu que c'est de l'explosif. Donc sont vraiment très pratiques. Et les snipers, puisque les coups critiques one-shot quasiment tout le monde. Surtout si vous avez réussi comme moi à dropper le sniper de la quête d'Hammerlock avec le préfixe Tum-Tum. Donc ensuite, vous, une fois que tout ceci est fait, vous pouvez continuer la quête principale. Où il faut exporter Claptrap. Accompagner plutôt Claptrap jusqu'à son vaisseau, juste ici où il y a plein d'ennemis, il y a un petit coffre caché que je viens de vous montrer, dans lequel il y a pas mal d'armes qui peuvent être parfois sympathiques, et c'est surtout très sympathique pour farmer de l'argent. Donc là nous avons ensuite Boom et Vroom qui vont spawner, qui sont donc deux boss que vous allez pouvoir farmer très simplement en utilisant le sniper Jacob. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut rendre la quête du bruit et de la fourrure à Hammerlock pour pouvoir avoir son sniper qui one-shot ou two-shot en critique ses boss, qui nous permettent donc de farmer leur XP très rapidement. Avant de les farmer, et pour pouvoir les farmer surtout, il va falloir, après les avoir tués, expulser Claptrap avec cette machine. On vise Claptrap, on tire et il va être expulsé à l'autre bout de la map, et ainsi nous pouvons faire quitter sauvegarder et revenir au boss pour les farmer. Juste ici, sous le pont, il y a d'ailleurs un petit coffre caché qui a plus de chances de dropper des armes rares. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et à la partager. Ça m'aiderait beaucoup à développer ma communauté. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été pratique ou utile, tout simplement, n'hésitez pas également à me le signaler. Je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette épisode 1. Quant à moi, je te dis bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!